Podcast. Bonjour, chers troupes. Bienvenue au Podcast. En compagnie d'Adam Dijka. Oh yeah. Et de jeu. Être. Comment ça va tout le monde? Épisode 19 du Podcast, puis on est là cette semaine. On va voir Kevin Généreux later on in the podcast, quand on va avoir fini de parler de nos affaires. Que j'ai pas prévu vraiment d'avance, mais je sais qu'il y a une couple d'affaires intéressantes, comme les UFC Liverpool. Main Event t'es fou, on a pas le choix de pas en parler, surtout que t'es un gars striking, c'est Darren Till contre Wonder Boy. Fait qu'on va parler de ça, on va parler à Kevin Généreux. Je voulais qu'on commence, pis que tu nous parles de ta conférence que t'es allé faire à l'école. C'est-tu ton école, ça, first? C'est-tu là que t'es allé à l'école, toi? Ouais, c'est une de mes anciennes écoles. C'est la dernière école que j'ai... C'est vrai, t'es un parcoureur d'école, toi. Ouais, j'ai fait quelques écoles, mais ouais, la dernière école où je suis allé. J'ai fait, en six jours, deux conférences. J'ai fait une école privée, secondaire, les élèves d'option sport. Ça, c'était vraiment plus une conférence classique. Ça a duré 1h30, je comptais mon histoire, le début, prenais des questions, trucs comme ça. Deuxième, c'était pas une conférence, c'était plus une entrevue, si on veut. Il y avait trois fauteuils, deux professeurs qui me posaient des questions, moi je répondais. Elle avait passé des articles de journaux dans ses classes. C'était une ancienne prof que j'ai eue secondaire 1 et 2, et puis qu'elle est rendue à l'école de 3, 4 et 5. Puis faisait comme ça fait des années je l'avais pas vu tout ça. Puis elle m'a demandé de venir parler aux élèves parce qu'elle avait fait des articles de journaux pour faire des débats dans ses cours. Puis un article qui a été gros pris par les gars, ça a été mon article à moi pour les événements qui sont arrivés après mon test d'antidopage échoué pour Mary Jane. Puis ça a fait un gros débat. Alors elle voulait juste m'avoir là, poser des questions pour la carrière, des choses comme ça, poser des questions sur le test antidopage, comment j'ai je suis souvenu à retourner au travail, comment je suis sorti un peu de ma petite dépression, whatever, tout ça. On a fait le tour, on a fait un résumé là-dessus, on parlait de ça, ça a duré comme 45 minutes. Super agréable à faire, pour être honnête, stressant. Ouais, je le sais que t'étais stressé, c'est ça que je voulais savoir. Après, ça a-tu bien été par rapport à ça, finalement, ou t'étais stressed out, raide là? Non, mais il m'a dit, j'ai mal dormi les deux soirs avant les conférences. Pour vrai, c'est incroyable quand je suis un gars stressé dans la vie, mais à toutes les fois que je suis vraiment stressé pour aller faire de quoi, la plupart du temps, j'ai un bon résultat. Pas mal tout le temps, j'ai un bon résultat. C'est arrivé une fois, comme une semaine avant le dernier combat, je suis parti avec Charles, un de mes bons chums, Charles Over, avec Dimitri. Dimitri Dirk, qui donnait un cours à une école secondaire. Moi et Charles, on s'est trompé d'école secondaire, t'arrivais juste à temps pour parler aux élèves. Je savais pas exactement trop comment ils voulaient que je parle aux élèves. J'étais vraiment pas stressé, pas préparé. Tu sais, je fais comme, oh, je parle tout le temps, pas de trouble. J'étais arrivé là-bas, pis ça a tellement pas marché, là. J'ai regardé le prof, j'essayais d'avoir des questions, j'ai pose-moi des questions, il m'a donné des réponses, mais j'avais aucune main quand même à parler de moi, pis de poursuivre dans ce truc-là. Fait que ça a complètement bombé. J'étais pas stressé. Là, j'ai été stressé, j'ai eu des beaux résultats, fait que je vais continuer à me dire qu'il faut que je sois stressé, là. Même avant un combat, je suis pas stressé, ça va tout le temps bien, fait que, non, je marche sur le stress, ça a l'air. Cool, t'as-tu la chance d'échanger avec des élèves un peu et tout? Ah ben oui, j'ai eu quelques questions des élèves, puis je donnais des questions tout au fur et à mesure. Puis non, des bonnes questions, c'est vraiment cool, c'est le fun aussi de voir qu'il y en a, justement, ils ont de l'intérêt à suivre la conversation et puis poser des questions, alors bien content, pour vrai, c'est quelque chose que j'envisage perfectionner
dans ce domaine-là, là, d'avoir vraiment des conférences super tight, puis de pouvoir venir donner des belles présentations, pouvoir... Je suis capable d'en motiver un dans la gang, écoute, moi, ça fait tout le bonheur. C'est sûr, mais c'est le fun, là. Moi, à l'école secondaire, si on m'avait dit sur l'heure du dîner, il y avait justement un gars qui fait des combats ultimes, qui venait parler, c'est sûr que c'est de quoi qui m'aurait intéressé à aller voir, là. C'est hot, là, au secondaire, il me semble, c'est... Quand tu commences et tout à checker à la TV, tu découvres ça, l'UFC, sur le site, là, je sais pas, c'est hop, c'est plus... Moi, je vais toujours m'en rappeler au secondaire, on avait eu une pièce de théâtre obligatoire dans la cafétéria. Ça s'appelait « Pas de bébé, pas de bébite », même. Puis c'était une pièce de théâtre qui faisait la promotion du sexe protégé, même. Oh! Tu sais, c'est correct, c'est des sujets pour que tu abordes avec des jeunes de secondaire comme 3, 4, 5, mais... Je sens qu'il y a des malais plus fun... Je peux pas amener du monde pour une pièce de théâtre qui s'appelle Pas de bébé, pas de bébé. Fait que pour vrai, shout out man à l'école qui a amené Adam. Ouais, Claire Bergeron qui a organisé ça, ancienne prof d'éthique, honnêtement. Super le fun. Puis, non, j'envisage probablement en faire d'autres. Sûr que quand j'approche plus un camp d'entraînement, quand on va être dans les derniers milles, c'est sûr que c'est des choses que je serais pas intéressé, mais. Quand je peux, ça donne, là. Écoute, je suis ouvert aux suggestions. Ah, that's it, man. C'est vraiment le fun. Sinon, une autre affaire qui était grosse cette semaine, j'ai juste ta réaction un peu sur les combats qui ont été annoncés. Pour la carte sur laquelle tu vas te battre, il y en a de plus en plus. Je vais même, écoute, prendre mon sel, là, parce qu'il y en a de plus en plus. Je veux pas des analyses précises ni rien. Juste ton opinion, vite, vite. Les fins de ces quatre combats principaux, on va avoir la chance de reparler probablement avec Alex Morgan. Ouais. Super. Mais Alex Morgan contre TJ Laramie. Man, ça, c'est. Ça pique la curiosité. Dernier combat de Laramie, on l'a vu faire beaucoup de stand-up. T'sais, il essayait, il a fini par amener son sol puis faire son bread and butter. Mais tu l'as vu qu'il a essayé vraiment de faire du debout. Comme Morgan, la première fois aussi, il a essayé de jouer debout avec. Il s'est fait clip. J'ai peur que ça devienne un peu trop un combo que Laramie vraiment fait juste travailler pour amener ça au sol puis que ça vienne un peu... Genre un grappling match imposé, genre, tu sais. Ouais, exact. C'est une heure que la seule chose qu'il fait, c'est essayer de wrestle parce que ouais, pis que Morgan, il essaye de prendre sa distance, se sortir d'être décollé pour rentrer des strikes. Ouais. Genre un qui va vraiment essayer de papa allumer l'autre, rentrer des good connections, good strikes, mais que l'autre veut rien savoir de ça. Pis des fois, des combats de même, c'est moins tape à l'œil si on veut, mais très intrigué de savoir comment TJ va vouloir revenger sa défaite, quelle stratégie il va apporter. Morgan, s'il continue à faire ce que Morgan fait, écoute... Parce qu'en fait, TJ, là, c'est depuis ce combat-là qu'il est vraiment plus wrestler. Ouais, exact. Parce qu'avant, on a toujours su que TJ Laramie avait une bonne base en lutte, ça a toujours été connu. Mais, crème, on l'a vu, c'est un malade mental à ses premiers combats de TKO, là. C'est, ça va de l'avant, ça swing des grosses mains, ça a pas peur de manger un bon punch pour en donner un meilleur, pis, t'sais, il a du bon power dans ses mains, pis il réussit à finir ses combats comme ça, tout, pis c'est vraiment ce combat-là contre Alex Morgan, ouais. Qui, comme... Je m'attends pas là, après ça, ouais, après il est venu contre Jourdain que ça a été vraiment... Non, c'est parce qu'on Spicuza avant, okay. que c'est un combat qui était vraiment plus patient debout, qui travaillait bien ses takedowns, puis qui a fini par finir une super belle guillotine, qui a fini du full mount, là. Oh. Puis après ça, contre Jourdain, ben c'est contre Jourdain... Wrestling 101, là. Au stade de développement que Charles était, puis au stade de développement que TJ était, parce que lui tout c'est un gars qui, je pense, qui se bat pro depuis 2015 ou de quoi de même. C'est absolument ridicule. Mais, tu sais, c'est un IQ test, là, quand tu te bats contre un striker, de la trempe à Charles Jourdain, qui est absolument non testé au sol, puis toi, tu le sais que t'es un bon lutteur. C'est rendu là, c'est un IQ test, là, selon moi, qui a passé avec brio. Mais ouais, contre Nogueira, ça ressemblait vraiment plus à une performance complète. Là. Ouais, ça, il a travaillé le debout. Ça ressemblait vraiment plus à une performance. Un petit peu trop essayer les high kicks, si moi je peux me permettre de dire, pour être honnête. C'est des choses que peut-être, justement, qu'il aurait été mieux de garder pour les later rounds. Ça, t'as-tu un bon high kick à 5 pieds 4, là?
Ah non, c'est ça, c'est peut-être quelque chose que tu veux même pas mettre dans ta game, mais il l'a essayé beaucoup au début du combat, je me trompe pas, il a peut-être même tombé une ou deux fois avec. Mais tu sais, Nogueira, il avait toute son énergie dans les early rounds, c'est quelque chose qui est quand même, si c'est pas set-up et tout, c'est quelque chose qui est quand même plus facile à voir arriver, bloquer, des trucs comme ça. Mais là, s'il l'avait fait dans les later rounds, quand Nogueira, ses mains étaient basses, il l'a nayé dans ce combat-là. Nogueira, il avait plus envie de parler au téléphone, il avait plus envie d'être là. C'est simplement... C'était surprenant qu'il se soit levé pour aller au cinquième round. Oh, exactement. Là, il est allé with pride, mais honnêtement, man, ça va être tout un fight pour vrai contre Morgan. Là, ça va être... Ouais, c'est ça, Morgan, ça, même si... Il se ferait take down, il va jamais s'avouer vaincu. Tu sais, contre Nogueira, ça a quand même fini en split decision. Quand c'était clair qu'il y a un gars qui essayait uniquement justement de take down. Oh. T'sais, c'est ça que Alex, ça y est arrivé aussi. Là. Ouais. Autant Laramie s'est ajusté du combat contre Alex Morgan. On n'a pas vraiment vu Alex avoir la chance de s'ajuster contre Pelis parce que ça a toujours été assez clair quel genre de match-up ça allait être. Fallait qu'il stalk un gars qui allait essayer de reculer et de le kicker. Là. Mm. Mais. T'sais, avec Firas et Pascal Chabody, c'est sûr qu'Alex, il y a des ajustements faits du combat contre Nogueira. Oh, absolument, absolument. Pour affronter un grappler. Mais t'sais, quand on jasait avec, le gars, il faisait ses sparring genre avec Arnold Allen et Mirsad Bektic, qui sont deux des meilleurs 145 livres au monde, selon moi. Fait que le gars, il est pas mal pris, là, le chum Morgan. Souvent, quand on voit un striker contre un wrestler ou un grappler ou whatever, souvent, le grappler finit par avoir le dessus. Puis, câlisse que j'aimerais ça que, genre, bring back the sprawl and brawl era, man. Sprawl striker contre grappler, c'est à tout coup la lutte qui détermine l'issue du combat. Ouais, mais si t'es capable de pas aller au sol, d'avoir that sprawl incroyable. Ouais, Johanna Jędrzejczyk a gagné bien des combats contre Claudia Gadella parce que c'était striker versus grappler, mais qui avait la meilleure lutte au final? Johanna avait une meilleure defensive wrestling que la offensive wrestling de son adversaire. Fait que tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que toi tu veux travailler. C'est sûr qu'Alex Morgan travaille probablement beaucoup plus son defensive wrestling qu'un TJ Laramie. Ouais. Il va être le gars qui va sûrement offensive wrestling. Chercher, ouais, exactement. Fait que j'aimerais ça voir le sprawl and brawl fucking. Take the win, man. Let's go, man. This. Avant qu'on passe au prochain combat, ça a comme... Je sais pas si c'est confirmé. Ça devrait être le main event. Il faut que ça soit le main event. Ce combat-là? Ouais. Moi, j'imagine, Calvaire, ça va être la troisième tentative de défense de titre à la Remy. Combat revanche, sa seule défaite, si je me trompe pas. Ben non, il a déjà perdu un. Ben sa seule défaite chez les TKO. Il a perdu un flou fight à quelque part, il était okay. Chez le dos de côté qui se battait. Ok, parfait. Un split decision bizarre qui a mais, gagné. Sa seule défaite par finish, sa seule défaite ici chez la TKO. Écoute, ça a juste pas le choix, tant qu'à moi, d'être le main event. Ouais. Ensuite, on n'en parlera pas trop parce qu'on va en reparler avec Kevin tantôt, mais ouais. Kevin Généreux, Charles Jourdain, ça fait pas mal rêver tout le monde. Non, c'est deux gars en plus qui sont prêts à y aller debout, man, puis striker, ouais. Puis déterminer qui est le meilleur striker. Ah, ça va être... J'ai pas vu vraiment personne non plus mettre Généreux sur leur culot à date, là. Tu sais, Kevin Généreux, il avance, puis il tape, puis il lance des grosses mains, puis il est... Tu sais, ça a l'air simple comme game, mais il est bon, il est technique debout, ça fait longtemps qu'il fait du combat debout. Probablement un des meilleurs strikers à la scène québécoise, là, absolument. Donc, contre Charles Key, il nous a prouvé être un suprême striker, lui, avec, à son dernier combat contre Matalo, capable de... Tu sais, c'est ce qu'il fait de bout, bon. Il sait comment approcher un combat debout, il sait comment rentrer avec des bons leg kicks, puis setuper ses attaques à partir des affaires qui marchent bien en très bon strategist. Exactement, avec Lucie, elle se montre très brillant dans son coin, Eric Bertrand, shout-out, Migo. Mais après ça, on n'en parlera pas, c'est toi qu'on serait le gagne. Puis, tu sais, on a la chance d'en reparler, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on sache encore, là, sur ce combat-là? Ça t'arrive souvent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on sache vraiment sur ton adversaire? On a vu des combats de Muay Thai, mais on l'a jamais vu dans une cage avec des 4-11. Ensuite, un combat, moi, qui me fait rêver. James Mancini contre Malcolm Gordon. Malcolm Gordon, qui a son grappling, m'a tellement impressionné la dernière fois qu'on l'a vu. C'est ça. Mais qui a un stand-up aussi...
aussi développé. Ouais. Fait que c'est vraiment un all-around fighter. Gordon, mais... c'est le real deal. Gordon, c'est le real deal. Mancini, qui est un grappler hors pair. Ouais, pis moi, c'est ça, j'ai hâte de voir. Mancini va 100% lutter Malcolm Gordon. C'est une question là. James, c'est sa game. James, il s'entraîne avec les frères Grant en boxe pis tout, il est super capable. Mm-hmm. C'est sa game. Ça coûte zéro cardio, le gars peut te lutter comme un fou pendant 15 minutes, tu vas vouloir, tu vas penser que tu t'es noyé 4 fois, et lui il est prêt à aller se péter un jog après, parce que c'est tellement sa game, c'est un absolument, là, de calibre qu'on en voit peu. Vraiment un grappler hors pair, là. Puis Gordon est tellement agressif avec les soumissions, il est capable de chain une soumission dans une autre soumission, puis essaye le Kimura, ça marche pas, armbar, triangle, Kimura, puis à switcher une avec l'autre, comme il dit. Comme le striking, man, t'en essayes une, puis tu build up là-dessus, en essayant des millions d'autres, puis un moment donné, une qui marche, puis j'ai hâte de voir ça, man, Jiu-Jitsu versus Wrestling, puis genre, pas genre, un lutteur correct contre un bon gars de Jiu, là. Ah. Great Jiu-Jitsu versus top level wrestling. Ah, ça va être pour les grappling fans, ça c'est du bonbon, là, c'est ça sera pas ton un, fight de l'année. Un grappling match plate. Non, exactement, puis ceux qui préfèrent le grappling, ceux qui trippent sur le grappling, honnêtement, c'est ton match à regarder cette année, ça. Là, C'est le combat que tu veux voir. T'es contre des combats au sol, là, même, t'en trouveras pas tant. Non. Le seul autre gars qui rivalise sûrement au niveau avec le niveau de sol, c'est Doudla. Arnett. Ben, il y a Arnett, il y a du fort, mais ça dure-tu vraiment quand ces Doudla vont au sol? Tu sais, avec du fort, il y a besoin de plus qu'une minute au sol dans tous ces combats. Je cadette pas, ben. Ensuite, le chum Joe Valley contre Marius. Marius, je vais pas m'aventurer à dire comment il s'appelle, là. Je peux vous le lever si vous voulez. K-S-I-A-Z-K-I-E-W-I-C-Z. Donc, Marius. C'est quoi, un polonais? Ouais, c'est un polonais. Okay. Juste avec les lettres. Ouais, quand il y a des Z et des K, des W de même, c'est sûr que c'est un polonais. Ouais. Mais, ouais, que dire, man. Joe qui se prend contre l'international, là, ça va faire beaucoup de combats qu'il y a des gars à l'extérieur, overseas. Je pense qu'il est rendu le tableau Canada, Marius, par exemple. Ok, bon, mais c'est parfait pour Joe, c'est exactement ce qu'il y a de besoin pour continuer. 6-0 contre 7-2. T'sais, là, deux gars qui jouent à la distance striking game, là. Ça va être intéressant de voir quand ça va play out. Parce que, ouais, Marius, il s'est battu jusqu'à 205, ce dude-là, man. Il s'est battu de 170 à 205. Je sais pas trop, c'est un autre gars qu'il faudrait que je check plus de tape. Vu ce que j'ai vu à date, t'sais, c'est correct, là, il est sur un 6-0 bien mérité. T'sais, il y a des gars plus dans l'Ouest qui ont des 5-0, des 6-0. T'es genre, ok, man, ton meilleur adversaire était genre 3-3. Lui, tu sais, c'est mérité. Le gars est allé se battre à 205. Ça devait pas être un ben gros 205 s'il est capable de faire 170. Ou s'il était capable de faire 170, parce que c'est plus dans ses premiers combats. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'énigmes à l'entour de ce Marius. Ouais. Mais il est bien d'être prêt parce qu'il valait d'un top là. Ah ouais, pis il est back at work là. On luttait tantôt aujourd'hui là. Il est back at work, man. Il se prend un bon. Il a commencé vraiment toute la semaine. Fait que ça lui fait un bon 2 mois facile là, de préparation. Ouais, bon camp d'entraînement. Ah, exactement. Fait que ça va lui faire pratiquement 10 semaines de camp d'entraînement, 9 semaines. Man, pas peur pour lui. Ça, c'est sûr, man. Ensuite, le boy, man, the donut eater, Fred Dubois. Oh, yeah. A affronté Johnny Baldridge, le dude qui a affronté Tariq Ismaël à Laval. Bam Bam, là, quelque chose comme ça, là. Ouais. Il y a le gars qui avait du front qui s'est pogné contre un top level Muay Thai guy. Fait que ça pas de il était resilient, par exemple. Ouais, vraiment très resilient. Tu sais, il est capable d'accepter genre ça. Un genre de McIntyre, mec de l'expérience. Il est 2-2, là, pas de l'énorme expérience. Mais ça, c'est un gars qui s'entraîne au statement, qui s'entraîne des bons lutteurs. Un petit bras, c'est un tueur. Là. Ah, ouais, mais. Fred Dupras, c'est un petit phénomène, ça, là. Non, c'est un petit tueur, là, merde. Ben, Chris Bam Bam, il est dans la même division que... Chris, il avait l'air énorme, là. Il avait les jambes grosses de même, pis tout. Ouais, Fred Dupras, gros, parce qu'il est pas énorme. Ah, oh, probablement. Gros, ce gars-là, il est quasiment de ma 16, là. Ah, pis ils font, c'est quoi, 135? Ouais. Il y a rien de sain, là. Ben, la souffrance et la douleur. Ben, voilà, c'est dingue après, mon gars. Calme.
Ah, et puis, ok, après, man. Moi, j'aime le matchmaking de TKO, là. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve que côté matchmaking, c'est rare que t'aies des combats que je me dis, ah, pas sûr, genre, mais il y a un combat que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, pas sûr. C'est Bakary Sako contre Bobby Solomon. Oh yeah, le même soir que nous autres. Ouais, le même Je... Oh, soir. je vais avoir la joie de pouvoir voir ça en arrière avant. Ouais. Waouh! Chris, Bobby, mais puis. Bakary, il descendait pas à 205? Ouais, ben, tu sais, il y a qui à 205? Il y a juste des gars expérimentés, genre Todd Stout, qui veut sûrement pas se battre contre un gars qui est 1-1. Oh. Ou sinon, t'as personne d'autre, t'as personne, t'as d'autres gars qui sont 1-1, qui sont là, je me battrais pas contre Parce Bakary Sako, t'as que. trouvé ses spinning kicks à ce dude-là. Wow, c'est sûr, là. C'est Tu sais, sûr. Bakary à 205, c'est un monstre, là. C'est sûr qu'il est pas mal d'accord des grands pis des gros à heavyweight, tu sais. Ouais, mais Mais. sérieux, à 205, je le vois, Ouais, là. Bakary, c'est un 205. C'est. Donc, quand que, tu sais, il pouvait. Ton Cyril, c'est un 205, là. Oh, ben, probablement, je l'ai pas vu. On va le voir C'est après ça. pas à 215-220 livres en kickboxing, Tu vois, pis c'est tout. plus petit que Bakary. Il était Ouais. pas 2,35 la pesée Je qu'on a sais pas, je faite. m'en souviens plus. 2,32 quelque chose, si je me trompe Ouais, pas. ça Là. se peut, mais tu sais, c'est ça, c'est. Mais tu sais, justement, il est super cut. Puis, tu sais, le muscle, 80% du muscle, c'est de l'eau. Fait que c'est beaucoup plus facile quand t'es super musclé de faire une grosse déshydratation, faire une grosse cut. Tu sais, un gars de 2,30 comme Bakary, mettons, il fait attention, descend à 2,25, il fait sa cut de 20 livres, il reprend 20 livres, il est à 2,25, 2,30 dans la cage, là, le soir, à 6 pieds 5. C'est un fucking monstre, là, pour vrai, là. J'avais hâte de le voir à 2,5, pour être honnête. Mais écoute, à le voir Polo aussi, ça va être super excitant. Je me Contre demande, parce que le Bobby. dernier coup que je l'ai vu, honnêtement, il avait l'air vraiment avoir perdu du poids, là, Bakary, là, sans joke. Fait que je me demande si, justement, il est en train de changer peut-être le régime ou changer les techniques d'entraînement pour prendre du poids, parce que, tu sais, on va se le dire, Bobby, c'est quelqu'un qui me ressemble excessivement, puis, tu sais, si, tu sais, être Bakary, je voudrais pas arriver dans ce combat-là à genre 215-220 livres. Ouais, mais tu sais, c'est parce que quand on dit, mettons, oh, Charles Jourdain, il faudra qu'il emploie un game plan à la Généreux pour battre Matarlo. Tu sais, gros, le Bobby Sullivan game plan, Adam Dajka game plan, c'est pas mal la même estie d'affaires, on l'a pas mal vu, là. C'est deux tatas qui swingent abusivement des mains droites, qui boxent bien. Oh, mon dernier combat, j'ai été pas mal moins tatac C'est ma vrai que carrière c'est vrai, ah, pour essayer de me défendre un peu, là. c'est vrai. J'étais ultra patient. Contre Bobby, c'était tatal. Contre Bobby, c'était tout simplement tatac, Mais ouais, ton dernier combat, c'était beau, mais ça. pas. Je sais même pas si t'as. Ah, t'as mangé genre Oh, un petit je. coup de poing que je pense que c'est juste le bout du Ouais, cœur qui c'est t'a tard. Un écœuré. leg kick aussi, sinon peut-être deux. J'ai pas pris super gros dommage, mais c'est juste que je suis plus calme qu'avant, mais j'aime mieux mes émotions. C'est juste de mieux gérer mes émotions. Quand je me suis battu contre Bobby, j'étais encore dans les pas capable de gérer les émotions, beaucoup trop stressé, je suis encore hyper stressé, mais juste beaucoup trop stressé, puis juste que mon mental fait comme, je vais me faire frapper pour te frapper, puis je vais l'endurer plus longtemps Le que toi. combat a commencé, les deux sont arrivés dans le milieu, se sont sacrés Ah, trois drettes chacun, pam, en pam, pleine pam. gueule. Les deux ont reculé un peu, genre, ok, c'est un malade ça, puis ils ont recommencé, là. En tout cas, Fait que tu sais, ça ben. m'a appris d'être beaucoup plus patient, puis d'être, tu sais, d'être plus intelligent dans une cage, que je pense que j'ai réussi à commencer à montrer le dernier combat. Oh, t'es un combattant différent que de contre Bobby, là. Même Tu contre Bakary, là. Même contre Ricardo. ouais. Je me rappelle, là, que ton combat avec Ricardo, t'es genre, ah, c'était pas fou, pis tout. T'es super intelligent, là. Le gars, il avait genre 14 km de reach. Tu t'as coupé à distance, tu l'as clinché un peu, tu lui as fait mal avec tes poings, tes genoux, pis tout. Pis un moment donné, tu l'as genre semi à côté avec un semi-coup de poing, pis il est tombé, là. Ah non, c'est sûr, là, c'est pas vrai, ça m'en a appris beaucoup là, de me battre avec Bobby. Retourner à Bakary a apprendre dit qu'il a beaucoup appris beaucoup aussi. de se battre avec moi. Moi, j'ai appris beaucoup de moi-même à me battre avec Bakary. Fait que, tu sais, Bakary, deux en deux, là, il s'en va dans deux combos que t'apprends beaucoup. C'est battu avec moi, mais après ça, il s'en va se battre avec Bobby. Ça va Non, ben être. c'est ça, c'est que. Tu sais, pour revenir un peu à ce que je disais, Bobby, il va faire la même affaire que t'as faite, là. J'imagine, Bobby, il se bat comme toi. il va être Vous êtes patient, il va. des boxeurs avec une grosse main droite.
Puis vous êtes capable de défendre un takedown de façon assez compétente. C'est ça. Et vous avez du gros power. On est assez similaires. Très très dur. Bobby passe par en dessous, moi je passe par en haut. C'est pas mal la différence qu'on a pour être honnête. Fait que non, je suis super intrigué de voir comment ça va se dérouler. Ce combat-là, écoute, man. En vrai, je suis pas intrigué par tout. Non? Pour être honnête, là, je vous dirais, c'est ça. Puis tu sais. Je dis pas, c'est même pas de la faute à TKO là, parce que dans ces divisions de poids là, ça serait comme chialer que tu te bats contre Cyril. Je pense pas qu'on a vraiment lieu de chialer contre ça parce qu'il y en a pas de monde pour qu'on te batte. Tanner Bowser il est à ACB pis il viendra pas se battre 7 contre toi en ce moment. Fait que. Mais ça serait-tu un fight ça? Ouais, ça serait fou là. C'est gros. Ça serait fou là. Mais. Tanner Bowser, là, quand il va avoir fait son petit revenge tour des genres de split decision bidon qu'il a perdu en Russie parce qu'il était en Russie, là. Maintenant, ils vont même signer dans l'UFC, là, il est fort ce gars-là. Ah, c'est un tueur. Tu vas avoir ta chance, là, à Tanner Bowser. Ça va être un super beau combat au Canada, ça. Que ça se fasse dans l'Ouest, que le monde prenne Bolu, que ça se fasse de ce bon site, que le monde va prendre pour toi. C'est le genre de fight que tu veux, c'est une. C'est une carte au Canada, man, UFC Calgary de quoi de même, là. T'sais, ou Winnipeg, ou peu importe, ça va être tout, là. Bref, tout ça pour dire, non, je suis pas intrigué, j'ai l'impression que Bobby va juste, genre, empêcher Bakary d'attaquer King Range. Si Bakary essaie de le clincher, de l'amener au sol, il va défendre ça, pis il va sûrement, genre, le plugger avec un uppercut ou une drape, ou peu importe ce que Bobby fait, là. Ah non, c'est ça, j'ai hâte de voir les ajustements que Bobby va avoir que Bakary va avoir fait de son dernier combat, justement. Peut-être d'être un peu plus patient, pas sortir tout de suite avec la grosse altérie pendant que son adversaire est encore à 100%, ben encore la tank est encore à 100%, qu'il n'a pas encore dépassé d'énergie. Tu sais, il y a des choses qu'il a faites avec moi, que peut-être que s'il avait attendu, il aurait essayé d'étirer un peu le combat sur la longueur, que peut-être que mes mains auraient commencé à descendre, j'aurais été moins méfiant. C'est des choses que peut-être que ça aurait pu passer. Fait que j'aimerais ça voir du calme de Bakary, prendre plus son temps, essayer d'ouvrir les affaires. Il est allé full on quand l'adrénaline a dopé. Non, exactement, parce que tu sais, je pense que c'est vraiment envisageable de prendre son temps contre Bobby, parce que Bobby c'est un tueur. Bobby, c'est un sale tueur. Parfait, man. C'est un tueur, c'est incroyable. Là, faut parler de Wonderboy Till, pas le choix. Ouais. Comment tu vois ça? Parce que moi, j'ai enregistré mon preview un matin, là, pis pour vrai, tu sais, quand j'enregistre ça, j'ai toujours choisi les gagnants de chaque combat. Il y a des fois qu'en parlant, je change d'idée en parlant, pis je choisis l'autre. Ça, j'avais pas choisi de gagnant encore, man. Puis, je m'imagine mal comment ce combat-là va se dérouler, man, tout simplement. Parce... Ben, t'as Darren Till qui amène la jeunesse. Darren Till, il va de l'avant. L'explosion, le devant, la jeunesse. Tu sais, Wonderboy, okay, c'est peut-être pas le gars le plus vieux, mais man, il amène énormément d'expérience. La sagesse, man. L'intelligence. Autant Till et la jeunesse, puis la fougue, puis le gars qui va aller de l'avant, puis qui va essayer de bruise, puis de faire mal parce qu'il est gros, puis il est fort. L'autre, ils vont se retrouver contre un gars sage, puis songé. Intelligent. IQ fighting, là, to the roof, mon gars. Pis que tu dis ce que tu veux, et je pense que moi, la seule affaire que leurs deux combats ont prouvé, Art Woodley pis Thompson, c'est que les deux gars sont similaires. Tu sais, ils se battraient 5 fois, pis ça donnerait tout le temps des genres de décisions ultra serrées, split decision, tout le temps, toutes les fois, ces deux gars-là sont égaux. Oh. En termes. Fait que là, Darren Till se pogne contre un championship level fighter. Pis Darren Till, oui, c'est un tueur contre Cowboy, mais oui, Cowboy, de nos jours, bat les Cowboy Oliveira pis les Yancy Medeiros de ce monde, pis perd contre tout le monde qui sont dans le top 15. Pis Cowboy, c'est pas le même... Avant ça, Till avait pas affronté personne. Pis Cerrone, c'est pas le même genre d'athlète du tout que de Wonderboy, là. Cerrone, c'est un live fast, die young, là. Puis c'est vraiment pas la mentalité qu'un gars comme Wonderboy va apporter. Wonderboy, pour vrai, c'est un des gars, tant qu'à moi, dans UFC, qui a le plus de fighting IQ, qui a le plus de... Man, le gars, il est intelligent dans son art, pour vrai, là. Puis il a de l'expérience. Hey, il était quoi?
une cinquantaine de combats kickboxing professionnel avec genre pratiquement aucune défaite. Puis le gars est incroyable, man. J'ai de la misère à prendre contre le gars le plus intelligent dans un fight, pour être honnête. Ouais, moi, mon pic final, c'est d'arrêter sur Wonderboy. Parce que... Wow! Tu sais, Darren Till a déjà fait un draw contre Nicholas Dalby, qui, selon moi, il était encore top 25-30 au monde. Il est plus dans l'UFC. Parce que, genre, il a perdu deux combats, puis il dit, ah, je voulais vraiment prendre une pause du sport, tout, avec le UFC, l'ont juste coupé. Release. Parce qu'un combattant qui vient de perdre deux combats de suite, puis qui dit, ouais, je pense pas me rebattre avant un an et demi, pas full utile, tu sais, fait qu'ils l'ont release. Puis, non, Dalby, c'est un bon combattant, mais c'est pas un gars qui aurait été top 15 à l'UFC, puis Till, il y a un draw contre lui, puis ça c'est pas si longtemps que ça, là, peut-être en 2015 ou 16, là. Ok. Tu sais, Darren Till a battu des gars comme Bojan Veliskovic, des gars de même avant. Tu sais, je me rappelle le combat contre Cowboy, c'était genre, ah, yeah, c'est un bon duel quand tu passes à ça, mais c'est un sale step-up là, pour Darren Till. Il avait jamais affronté quelqu'un proche du calibre à Cowboy. Puis Cowboy, selon moi, c'est un popé step-up que de passer de Cowboy à Wonderboy. Wonderboy, le gros, c'est championship level fighter. Là. Probablement à deux divisions de poids, il y a un KO win. Un KO win par spinning head kick sur Bobby Knuckles. Puis Cowboy, t'as comme un window of like 2 to 2.5 minutes dans le début de combat. Que si tu catch clean avec de quoi, pis t'es capable de poursuivre, that's a done deal. Exactement. Plus que le combat s'allonge, plus que ça s'en vient dangereux pour toi. Plus qu'il vient, bon, plus qu'il est à l'air, plus. Tu sais, c'est exactement le genre de gars qui va te refaire des exactement. Qui, exact. Parce qu'il est tellement gros, il est fort, il avance, puis tu le feras pas reculer. Puis tu sais, je pense pas que Wonderboy va faire reculer Darren Till. Mais s'il y avait un gars qui va se battre sur le reculon pendant 25 minutes de façon ultra efficace, c'est bien Wonderboy. Puis même si t'avances dans Wonderboy doit être assez facile à disparaître. Là. T'sais, ouais, non, oh, il est où? Il est rendu où? Tu sais, comme pas de côté quand il s'avait battu avec Anderson Silva. C'est ça qu'il nous a dit. J'ai déjà parlé de ça avec lui à l'entraînement, tout ça. Puis il dit, merde, tu le perds de vue. Tu lances jab direct. Chris, il est rendu où? Ah, tabarnak, il est pratiquement dans mon dos. Tu sais, c'est. Mais Wonder Boy is that kind of guy aussi, là. Fait que si tu pars de ça en ligne droite, pis tu coupes pas tes angles, t'es pas en train d'oppresser comme faut des choses comme ça, tu tombes over-aggressive, man, qui va te faire payer pour ça. Là. Ça va être bon, man. Ouais. Ça va être, tu sais, le genre de combat que même s'il y a pas ultra d'action, ça va être vraiment là, enlevant du début à la fin. Chaque seconde de ce combat-là va compter. Absolument. Ça n'en prendra pas. Tu sais, on est là pour chanter les praises de Wonderboy. Darren Till est un des rares gars dans la division qui est de la grosseur et de la grandeur à Wonderboy. Puis qui va, tu sais. Moi, je pense que ce gars-là frappe très très fort. Puis. Tu peux avoir des meilleurs mentons du monde si Darren Till. Genre, c'est le gars qui t'accote, puis ça te fait mal, puis tu recules, puis il le sent tout de suite. Puis là, il plus, même il saute sur sa proie. C'est un finisher, un nez, même tellement opportuniste, ce gars-là. Puis. Ça va être fou, man. Ça va être fou parce que Wonderboy va être en danger pendant. Je m'en vais pas dire 25 minutes, là. On n'a pas vu ça encore, là. Tu sais, ouais. Et tu sais, contre Dalby, ça a été un draw parce qu'il l'a pété pendant deux rounds. Il a gazant au troisième puis il s'est fait 18, là. Fait que. On le sait au moins qu'il est tough. Il a la tête dure pis tout. Il est pas à l'épreuve de gazote. Fait que, au final, j'ai edgé un peu en fait. Mais tu sais, pour vrai, c'est. Le Wonder Boy. Mais tu sais, Wonder Boy, tu sais, il a eu affaire à de la grosse puissance, là. Oh, okay, t'sais, t'sais, on se dit, Woodley, là. Il y en a qui a arraché Robbie Lawler, c'est ça, il est dans le top des hard hitters de sa division. Ouais, là. Ouais, tu sais, est-ce que Darren Till frappe extrêmement plus fort que Woodley? Doubt it. Et puis. C'est similaire à Bell. C'est similaire à Bell. Et puis, il a été capable de dealer ça, de sortir de cette situation-là, de survivre. Désolé, le mot que je cherchais. Il a réussi à survivre à la main droite, à la grosse situation de Woodley. Fait que, merde,
C'est capable de survivre, la grosse droite, mettons une fois, il se retrouve ses pieds, il se relève, l'autre commence à se décourager, l'autre commence à gazer, l'autre manque de jus. Ah là, c'est un you gotta see. Bon, hey, avant qu'on parle à Kevin, bonne fête Kevin. Bonne fête Kevin. Combien de fois il y a du seul fait dire dans ce 800 trillions de fois. Gros, je t'ai tagué sur une vidéo cette semaine, tu l'as-tu écouté? Non, je pense pas. Man. Tu l'as pas écouté, hein? T'as-tu tagué sur Adam d'HK ou. Non, ok, t'as l'autre. Tiens, okay. Tout, puis j'ai tagué Boulé. Ok, mais non, j'ai pas. Mais je pense que j'ai pas Facebook dans mon téléphone, fait que je vois pas les affaires qui. J'ai Messenger pour justement pouvoir t'envoyer moi tout des cassins vite fait, mais j'ai pas Facebook dans mon téléphone. J'essaie de le retrouver parce que gros, Evelyne m'a tagué et tout, fait que ça s'est peut-être rendu à. Evelyne Skirt. Evelyne Skirt. Impossible de charger la publication, fois qu'il l'a pas délivré pour vrai. Non, oh, mais c'est gros, c'est la suite parfaite, man. Non. Ah ouais. Non. À la semaine passée. Je sais pas s'il y a 20 du monde qui se sont rendus deep dans la conversation, là, au fois. Je sais pas s'il y a du monde qui l'écoute, là, 1h15 complet, mais. Ceux qui l'ont écouté, là, tu sais. Oui, je pense Nathaniel Simon qui a laissé des commentaires que c'était de oui, la fois qu'il y a l'épisode qui a le plus ri de toute sa vie. Tu sais, là, c'est ça, pour les quelques-uns qui sont. Ta vie est sauve, là, la vidéo est plus disponible. La vidéo est plus disponible, ça veut dire que c'est hard. Lis le trottoir, lis le. Ce Québécois est fini en train de chier sur le trottoir. Hey, non! Non! Ah ouais, le dos de là, gros, il est drap là, pis je te le dis, il se la pogne là, fraîche en train de tomber là, pis il a bouffe, man. Le gars qui filme, il est là, oh non! Ah non! Il crie dans son camion. Hey, c'est horrible, man. C'est horrible. Pis tu sais, qu'est-ce qui est encore plus drôle dans toute cette histoire là? Tu sais qui? La personne qui m'a mis au courant de l'existence de cette 10 vidéo. Point 3. Bon, avec un point trop, il y a une dette mentionnée. Non, le gros, c'est ta mère. Non! Non! C'est ta mère. Mon mère! Ah, puis je ne l'enverrai pas à Adam parce qu'il va sûrement vomir. Oh, mon mère. Ah, mon mère. Je t'ai pas vu ça. Aïe, aïe. Non, parce que moi, il pourrait être un petit cœur sensible, ces affaires-là. Il y a la vidéo de la madame qui slingue son crap dans. C'est ça, mais. Tu sais, faut que. Mais c'est à la limite à ne pas dépasser. Faut que je me mette dans le cerveau que c'est drôle. Ben, là, je vais le rire, je vais comme, aïe, ça, c'est une scène. Mais ben, dès que la marde est rendue genre buccale ou des affaires, je suis pas capable, man. Hey, partie génitale pis de la marde, tout, man. Hein, le cœur, il lève, j'ai le goût de patcher, je suis pas content. Quelqu'un me montre une vidéo même, pour vrai, je vous donne knocker, man. C'est que ça me lève le cœur. Je suis zéro violent dans la vie, mais ça, pour vrai, c'est que ça me purge. Fait que genre, j'étais un peu content de pas être venu le voir, mais calvaire que c'est insane, qu'est-ce qui se passe? La rue Notre-Dame à Montréal, c'est en plus, fait que gros, le Québec, man, a repris son trône, la Colombie-Britannique avait volé le trône du top caca, c'est quoi qui se passe en 2018 avec la masse? Qu'est-ce qui se passe dernièrement avec les vidéos de scatophiles, un après l'autre? Ça va devenir un thème récurrent. Faudrait qu'on aille bouler puis là toutes les semaines nous faire une chronique sur genre qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la merde. Bouler, man, il montre les. Des horreurs, man. Ouais, bouler, c'est. Des astis d'horreurs, même qu'à un moment donné, l'Astor il cite puis m'a montré, parce que genre ça me fâche dans un sens, je trouve ça tellement dégueulasse. Mais tu sais, avant, là. Ah, regarde ça sur mon téléphone. J'en regardais ailleurs, là, je le savais, là, c'était quoi, hyper trop cave qui s'en venait, là, genre. Ah, il y a un accident de char dans un magasin de bijoux que ça finit que c'est deux gars qui se. Ah, merde, je suis tanné, man. C'est quoi qui se passe? Des atrocités. Je sais pas. Pourquoi que ça, c'est Internet? Sur Facebook, souvent, là, tu vois une vidéo, là, pis là, comme tu vois quelqu'un share une vidéo, pis là, il joue pas, là. Pis là, ça marche, genre. Cette vidéo peut contenir des scènes, comme un avertissement à TV. Ah. Là, faut que tu cliques ici pour pouvoir le voir. Gros, c'est impossible que je clique pas, là. Là, des fois, tu vois ça, pis là, c'est genre du monde qui maltraite des animaux, pis là, automatiquement, genre, t'as envie de tuer tout le monde que tu vois. L'autre jour, un jeune, tu sais, en plus, je me sentais mal parce que j'ai ri, là.
C'est un jeune, il est là, puis il court, puis il traverse la rue, puis gros, il se fait, genre, ramasser par un char qui doit aller au moins 70-80. Gros, là, tu vois, là, tout le monde capote, puis il filme, là, puis genre, le jeune, il est comme 250 mètres plus loin, man. Et pour vrai, gros, je me sentais un peu mal, mais je l'ai ri, là, quand je l'ai vu, là, tellement. Il roule vite, puis il te fait un slow motion, là, nous. Ah, ouais, je suis tellement bien sérieux de vivre sans Facebook pis tout ça, là. Ouais, je sais pas comment le monde... C'est un fardeau. Honnêtement, là, c'est sûr que c'est un fardeau de vivre avec ça, là, à tous les jours, constamment, pis... Ça dépend, je pense, de l'importance que tu... Ah, mais le monde, tout le monde voit, tu vois bien trop que le monde, c'est bien trop important, là. C'est une pression sociale de genre... Le monde, ils font plus de quoi pour en tirer vraiment du plaisir. Le monde, ils font de quoi pour qu'est-ce que ça va avoir l'air avec son téléphone. Et tu peux suivre la journée à quelqu'un, là. Ça a l'air malade, sa journée, mais elle a peut-être passé un nasty de journée de merde, là, pour vrai. Ah, là, non, mais c'est juste qu'elle a mis comme 6 photos de sa journée comme t'es malade, ben genre. Ouais, ouais, genre, justement, pour être avec des personnes, mais des fois, tu sont un peu de même, là, t'es genre. Toute la journée, t'es avec eux. Là, elle se pogne 3 fois avec son chum, 1 fois avec sa meilleure amie. Elle finit trop fucking saoul à tout casser dans la place. Puis le lendemain, genre des belles petites photos avec des filters. Les journées parfaites. Oh, c'était le même à tous les jours. Et j'espère que c'est pas le même à tous les jours, ma putaine. Parce que c'est vie est pas grave. C'est ça, c'est n'importe quoi. Genre, le monde est. C'est genre. Ah, je mange un beau repas, puis après ça, je m'en vais au gym. Genre, pour qui tu vas au gym, sacrément? Pour genre, tu sais. Ah, man, ça me fait capoter. Ben, tu sais, moi. Des photos de ta bouffe, puis tout, là, yo. Là. Honnêtement, avoir l'audace, là, puis un esti de confiance de Batman, là. À toutes les fois que quelqu'un posterait une photo de son repas, je répondrais avec un post de mon caca, man. Mais tu sais, c'est ça, moi, écoute, je sais pas si dans le temps, quand Facebook était plus nouveau, t'as comme Facebook, tu leur dis, là, t'as la petite photo de profil là, juste en bas, t'avais comme des suggestions de monde que tu pouvais potentiellement connaître ou qui était déjà dans tes amis. C'est peut-être encore le même d'ailleurs. Gros, moi quand j'étais jeune, là, nous autres, on était bon, on parlait aux jeunes, là, j'ai été reparlé à troisième personne. J'ai hâte de faire ceci activité pour jeu, en compagnie de jeu, et tu. Tu sais, en tout cas, j'allais écrire là, un paragraphe là, en jeu là, sur gros, Facebook, A, première personne d'un A, tu sur son profil, je la connais barely, une personne que j'ai dans mes amis de même. Bon, j'en ai des amis sur Facebook, là, moi, genre vraiment plus d'amis que de gens que je connais probablement dans la vie. Donc, personne bâtard d'un A, t'es là-dessus, t'écris un paragraphe de merde, envoie-le des suggestions, là, il va pas y avoir une autre personne random, il écrit un paragraphe de merde, disons, wow. Fait que, tu sais, moi, j'avais pris full ça au sérieux, Facebook, là. Ah non. Fait que, c'est sûr que moi, je trouve ça drôle, les affaires qu'on voit là, mais c'est sûr que si tu commences à mettre de l'importance dans ces choses-là dans la vie, là, c'est là que ça prend un turn assez dramatique, là. Ah ouais. Hey, merde, man, c'est nouvelle. Hein, ça m'a fait faire des nouveaux mouthpieces. Le dude des mouthpieces, il était au gym tantôt, au Centre XPN, WhatsApp Centre XPN de Saint-Hubert. Puis, merde, fourette, là, je peux choisir les couleurs, s'il y a quelque chose d'écrit dessus, plein d'affaires. Je m'en fais un beau mauve, écrit panda en vert pétant, genre key lime green. Je m'en fais un autre gold, avec le signe du panda dans le milieu, avec un sleep well. Oh shit, man, c'est fourrette. Le gars, il m'a fait sur Max Guard. J'ai oublié de prendre le nom de la compagnie et tout ça, mais il vient d'un gym, il prend ton empreinte, il part avec ça, il revient comme 2 semaines après quand ton mouthpiece il est prêt. T'as même pas besoin de payer upfront, le gars, il est vraiment chill, sans joke, il t'amène ça, il fait sûr que tout fit bien, il te fait des ajustements sur place s'il faut. Tu peux tout choisir, les couleurs, le modèle, tout, man, assez sick. J'aime ça personnaliser des trucs pour être honnête. Ouais, ouais. Je vais mettre ça, personnaliser ça à ton goût. Je trouve ça une petite parabole, en fait, comme passer à ça. Puis ben, j'ai vraiment hâte d'avoir mes mouthpieces. C'est cool, hein? On parlait à Kevin Généreux, man. Ouais, ouais. Super belle conversation. J'en suis sûr que ça va être la fun. On va l'appeler. T'es où pour être toi ici, là? On va être moitié-moitié dans le frame. Moitié-moitié dans le frame. Moitié-moitié. Plugé dans le frame. What? Moitié moitié plugé dans le frame, ouais, bang! Yo, what's up, ça va? Ça va, vous autres? Ah ouais, toi? Et moitié moitié. Shape, shape.
pogné dans le frame. Hey, on avait hâte de te parler, Kev, man. Merci de prendre du temps. À ce que j'ai compris, t'es en train de travailler là en ce moment, pis tu prends quand même du temps pour nous parler, fait qu'on te remercie bien gros pour ça, c'est vraiment gentil. Plaisir, man. On commence ça de même, tant qu'à être là-dessus, tu travailles où, man? Qu'est-ce que tu fais en dehors du combat? Je suis animateur éducateur dans une école secondaire. Ah ouais? Ouais, je travaille avec les jeunes de secondaire 1 à secondaire 5. C'est bien ça coche ça, pis tu fais quoi exactement avec eux? Ben, je fais, par soir à peu près, je fais 2 heures de sport, je fais la surveillance, je fais, tu sais, si un jeune a besoin de parler, je parle avec le jeune, je fais, c'est tellement plein de choses dans une soirée, c'est, d'une soirée à l'autre, c'est différent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que tu te gardes tout le temps occupé là-dedans, dans le fond, tes soirées sont pas longues. Non, ça se fait bien quand même. Il y a des soirées plus longues que d'autres, mais ça se fait bien pareil. That's it, man. Puis, Crème, dans le fond, t'es back. On n'a pas le choix quand même de parler de la blessure. La dernière blessure que t'as subie, c'est comment exactement que c'est arrivé? C'est où que c'est arrivé? C'est arrivé chez nous, hein. Je faisais du cardio parce que j'avais un tapis roulant chez nous, puis là, ça disait de l'huiler. Là, j'ai démanché le moteur, j'ai tout démanché pour essayer d'arranger. Je cherchais où mettre de l'huile, j'étais écœuré. Je l'ai mis dans la poulie comme un épée. Fait que quand je courais, le tapis, il donnait tout le temps plein de coups, non? Fait que ça me faisait mal les genoux. Fait que là, un moment donné, j'étais écœuré. J'ai mis le tapis au plus bas. J'ai voulu nettoyer la poulie pendant que ça roulait, puis le doigt m'a pogné dedans, hein. Puis ça va faire, Oh shit, il est encore let, man. Ah, il a arraché, là. Y a rien qui a suivi. Check ça. Ça a l'air de rien. Les photos, ils ont bien paru. Ça a sorti de même, mais, tu sais, hey, j'ai 50 combats, je commencerai pas à backer parce que j'ai une petite graphine sur un doigt, là. C'est pas la première fois que je me faisais une petite blessure. Puis là, tu sais, tout le monde commençait à rire de moi, d'un bord, puis de l'autre. Et c'est ma main droite, c'est la main que je me sers. Je peux pas grappler, je peux pas m'entraîner. C'est pas un petit déjà, j'avais un petit training camp. Je suis pas assez capable d'aller faire un combat, puis tu sais, c'est des bad luck qui arrivent avec, comme à tout le monde, hein. C'est ça qui fait chier, mais c'est ça. En plus, ce qui est plate pour toi, c'est que c'est une string de bad luck. Certains étaient absolument pas de ta faute, tu sais, quand on passe au combat contre Dufort. Plus là que c'est de ta faute, tu t'es sacré le doigt dans une poulie, mais c'est des choses qui arrivent. Mais tu dois avoir hâte, man. Tu dois avoir hâte de remettre les pieds dans la cage, de faire ça. C'est parce que ce qui est arrivé et tout, tu sais, quand Ronson, je m'étais blessé au cou. Ça faisait 2 semaines, j'avais pas un torticolé. J'ai eu un hernie dans le cou, 2 hernies cervicales. Dans le fond, c'est 6, c'est 7. Ça faisait un bout, je suivais. J'ai quand même fait gros des combats l'année passée. Puis ça a l'air que mon corps, il faisait que j'avais besoin de repos. Hein. Fait que c'est pour ça que ça... C'est comme une addition. Après ça, j'arrive pour me battre contre Dufort, il choque sa balance. Après ça, là, j'ai mon combat, que là, j'ai mon doigt. Oui, je comprends, c'est de ma faute, mais c'est une bad luck comme n'importe qui. Ouais, l'hiver, c'est pas d'aller courir dehors pis de sécher les queues. Pis, ben, t'essaies de faire du cardio comme tu peux chez vous des fois quand t'as le goût de bouger le soir. Pis, c'est ça qui est arrivé. Ça va-tu être bénéfique? Moi, je vais courir dehors, je m'entraîne fort, puis j'ai hâte d'en ouais. Tu penses-tu que ça va être bénéfique au final, cette pause-là? Même toi, ça doit être frustrant de pas te battre pendant tout ce temps-là quand t'as des combats de prévus, mais au final, penses-tu que la pause va t'avoir fait du bien? Moi, je pense que oui, là. Ben, je veux pas, ça va faire quasiment un an, je me suis pas battu. Fait qu'à un moment donné, moi, j'étais habitué, tu sais, amateur. J'ai pas commencé, j'avais 12 ans à me battre. J'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai 27 ans. En 10 ans, j'ai fait 50 combats. C'est pas les dernières années que j'ai fait ben de combats que, tu sais, c'est vraiment au début, je me battais tout le temps parce que j'aime ça. Tu sais, hein, ça vient de drogue, ce sport-là. Ça vient que je m'embarquais dans la cage de tout le temps de battre. J'étais habitué de battre à tous les mois, là. Ça va faire un an, je me suis pas battu, puis j'ai hâte. C'est clair, man. C'est le fun, je me suis tout entraîné, mais s'entraîner pour avoir un but, avoir un... Y a rien de plus fun que ça. C'est clair, pis là, t'as tout un but devant toi. Charles Jourdain, dans un gros fight, un fight qui a été demandé. De son côté, t'sais, c'est assez clair, le gars, il move up contre un gars qui est une division de plus que lui. T'sais, il y a plein à gagner de ce combat. De ton point de vue, toi, qu'est-ce que t'as à gagner de ce combat d'aller là pis battre Charles Jourdain? Ben, c'est sûr, déjà, de gagner le cœur des fans, déjà, tu sais, je sais que le monde m'aime quand même, je jouerai pas à ça, mais je veux dire, j'ai quand même un style que le monde aime voir. Jourdain, c'est un style que tout le monde veut voir, qui aime voir et tout, il est explosif, il est super bon. Je pense que les deux, ça va faire un combat que tout le monde va se rappeler. À moins que ça dure pas longtemps, puis même là, ils vont s'en rappeler, c'est certain. Tu penses-tu que ça a le potentiel pour, battre le combat du dos d'à côté contre Bobby Sullivan, ça va-tu être autant classique que ça?
Un combat de poids lourd, c'est un combat de poids lourd, puis un combat de gars de 150 livres, c'est un combat de gars de 150 livres. Des poids lourds qui se tapent sa gueule, y'a rien de plus beau que ça, je pense. Vas-y donc, man. Bon, Jourdain, on le connaît, c'est un gars qui va apporter beaucoup d'ajustements. Tu sais, pour chaque, comme on l'a vu avec TJ, il avait été faire beaucoup de sol pour ce combat-là. C'est un gars qui game plan beaucoup. Comment tu penses qu'il est en train de préparer son game plan pour affronter un fighter comme toi? Puis toi, quel est ton genre de ben, sans dire ton game plan, mais comment que t'aimerais ça que ça se passe? Ben, c'est sûr qu'au poids que je vais être à côté de Jourdain, je pense pas que son game plan va être de m'emmener sur le cul. En tout cas, je serais surpris vraiment. Puis c'est sûr que je m'entraîne fort debout. Ça va être vraiment mon stand-up contre son stand-up. Je pense que les deux, on va... Je pense que les deux, on va avoir gros à montrer quand même de comment c'est. Les deux, on est des fighters intelligents qui s'adaptent. Plus que le combat avance, plus qu'on s'adapte. Ça va être dur à dire. C'est un combat qui m'était... Ça va faire dire si quand on s'est battu à Saint-Roch de la Chigan, je l'avais demandé, Jourdain, ça fait un bout, je demande à Patrick, je veux ce combat-là. Ben, je sais que ça va être un combat intéressant. Qu'est-ce qui arrivera dans ce combat-là? Je suis sûr que le monde va en avoir pour leur argent, ça c'est certain. Hyper intriguant comme combat, pour être honnête. On sait que toi, t'as travaillé beaucoup sur ton sol aussi. T'es beaucoup plus dur à amener au sol. Ça, on l'a vu aussi, même avec Capone. Puis un coup rendu au sol, tu te relevais très bien sur les pieds. Fait que ça, j'imagine que les deux, vous êtes des strikers hors pair. Fait que, man, je suis tellement intrigué à ce combat-là. J'ai hâte de voir ce combat-là, moi, personnellement, là. Je pense que tout le monde a vraiment hâte de voir ce combat-là. Ça va être absolument épique. C'est dur de voir comment ça pourrait décevoir, tu sais. Mais c'est dur de savoir où c'est que ça va s'en aller aussi. C'est assez incroyable. Ouais. On est tout de suite porté à penser que ça va rester debout, mais en même temps, il y a des ajustements qui peuvent être apportés. Man, les deux, vous êtes quand même des fast starters. J'ai jamais vraiment été touché solide. Tu sais, j'ai jamais vraiment vu manger des... Oui, au dernier combat contre Laramie, tu sais, il en a mangé des coups de poing, je veux dire, au sol, mais... Debout contre un fighter qui va arriver, qui va à la guerre devant lui, qui reculera pas, puis qui va être là pour manger des coups de poing, puis va s'en foutre de manger ses coups. J'ai hâte de voir comment il va réagir aussi. Oh, absolument. C'est une autre chose. Tu sais, j'ai une bonne base, j'ai des bons kicks, j'ai un bon menton. J'ai hâte de voir qu'est-ce que lui, il va être prêt à porter. Ouais, en effet, parce que c'est sûr que là, il y a du gros hype après sa dernière victoire contre Matarlo. Le monde semble pas se rappeler que ça a pas été vraiment difficile non plus pour toi contre Matarlo. Ça a été pas mal le même genre de scénario. Pied 4, il a figé comme un... Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Là, il avance. Tu sais, Jourdain, faut pas que tu figes devant lui. Faut pas que tu le laisses travailler. Il est tellement explosif. Il est tellement... Tu sais, il te sort un kick, un coup de genou. Il te sort... Tu sais même pas qu'est-ce qu'il va te sortir. Il va te sortir de quoi. Hein? Faut pas que tu le laisses travailler, ce gars-là. L'autre, il arrive devant lui. Il se met devant. Il fige. Il la regarde aller comme si... J'ai vraiment pas compris son plan de match. Comme qu'il avait dit, Jourdain avait son combat, on va voler. Je me souviens plus trop comment qu'il avait dit ça. Il dit, on va prendre un peu de la victoire à généreux pour ce combat-là. Il l'a vu une fois dans la cage. La grandeur qu'il a, déplié un bras, déplié une jambe, il pouvait rien faire, puis il l'a boxé. Puis ça finit la même. Il l'a knocké comme je l'ai knocké, sauf qu'en 2 minutes de moins. Ben, les 2 minutes que moi j'ai pris pour l'étudier, pour voir qu'est-ce qu'il faisait, parce qu'on le connaissait pas, pis je l'avais jamais vraiment vu. Lui, il a checké les combats, pis il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, là. Ah, oh, exactement. C'était pas mal ça, la clé de la victoire. Pas mal tout le monde avant le combat le disait. S'il peut avoir le généreux game plan, il va régler ça assez rapidement, pis ça s'est réglé assez rapidement. C'est pour ça que c'est hot. Le gars, il est capable, je trouve, d'aller prendre un peu partout pis s'adapter. Puis je me demande, qu'est-ce qu'il peut prendre du généreux game plan pour affronter Kevin Généreux, tu sais? C'est ça qui est intriguant de ce combat-là, selon moi. Tous les combats, je suis différent. On va voir ce qu'il va m'apporter, qu'est-ce qui. C'est contre Capone, ça a été un combat plus intelligent, on a été ça, je l'ai emmené au sol, je l'ai soumis. Contre lui, je l'ai boxé plus. Contre lui, j'ai tellement de style, j'ai hâte de voir. C'est sûr que je vais être au top de ma forme, en tout cas, ça c'est certain. Déjà, je me sens en forme, je suis bien, puis il reste encore 2 mois. T'sais, depuis ma blessure au doigt, j'ai pas vraiment arrêté. Je pouvais pas trop boxer, je pouvais pas beaucoup grappler, mais j'ai tout fait de mon cardio pareil, j'ai continué à m'entraîner tout le long. Mais il reste 2 mois, j'ai hâte de voir que je vais donner dans 2 mois. Hein. T'as hâte de voir les résultats de genre 2, 3, 4 d'entraînement back-à-back, là. Ouais. C'est sûr. On le sait qu'on aime pas trop ça regarder dans le futur, mais tu sais, à cette heure que
t'es back, tu vas affronter Charles Jourdain. C'est quoi, win or lose, ton année 2018 idéale? C'est qu'est-ce que t'aimerais faire? Tu veux-tu être là à Québec si t'as pas de blessure, mettons? C'est sûr que Québec, c'est vite, là, c'est un mois après, mais c'est sûr que j'aimerais ça. T'sais, si le combat dure pas longtemps, j'ai rien, pourquoi pas? Ça reste un mois après. Sinon, je pense qu'un combat au mois d'octobre, mois de novembre, c'est sûr que cette année, je vais être le plus actif possible. Je veux me battre cette année. Tu sais, j'ai 27 ans, je suis à l'âge de ça, je suis à l'âge de... Faut que je me batte pour un des choses, j'aime ça, je trippe ça, c'est ma vie, hein, je fais pas ça pour faire un combat une fois par année, flasher sur un poster, puis après ça, pendant un an sympathique, je fais ça pour me battre. Penses-tu que le titre TKO des 155 livres est à ta portée d'ici le mois de décembre? Parce que de la manière que ça a l'air de s'aligner, le chum Ronson a pas mal l'air de vouloir aller se battre à 170, puis tu sais, si bat Meunier, ça va être dur à passer qu'il va pas s'en aller dans l'UFC. S'il perd contre Meunier, ben là, il y a peut-être un peu moins de leverage pour dire « Ah oh non, j'ai pas envie de me pogner contre un 5-2 ou un 6-2 ou un nanana. » Fait que penses-tu que en décembre, t'as des bonnes chances d'être celui qui se bat pour le titre dans ta division? Moi, je pense que oui. En battant Jourdain, je verrais pas pourquoi que non. Tu sais, j'ai quand même 4 victoires de suite, 4 finishes à 155 livres. Il y a pas personne qui a ça à... Ben, pas personne que ça. C'est sûr qu'il peut faire venir n'importe qui d'autre, mais je parle dans l'organisation TKO à date. Il n'y a pas personne qui va avoir des victoires consécutives comme moi. C'est sûr que s'il se bat à 170 puis il gagne, d'après moi, l'UFC va sûrement, en battant Meunier, il va sûrement le reprendre. Il va tomber à, je sais pas comment, victoire ou je sais pas ce qu'il y en a. La ceinture tomberait sûrement vacante. J'aimerais ça avoir, mais même si ça serait pas vacante ou pas, c'est certain que c'est mon objectif, là, en battant Jourdain de, c'est sûr, je veux défier Ronson après le combat. Il dira bien qu'est-ce qu'il veut avec mes blessures, avec ci, avec ça. Si on regarde mon parcours, c'est pas moi qui choque tous mes combats, là. C'est des affaires qui est arrivé ça arrive à n'importe qui, des padlocks, ça arrive ici, puis si il dit, ah, je veux pas pogner un gars qui est 5-2, 6-2, je m'en fous, là, tu sais, c'est 5, ça serait 5 finishes de suite, 5-6, tu sais, c'est un bon hype, c'est à lui de se battre dans une organisation qui vont te donner, Patrick va te donner des bons gars, pareil, là, je veux pas, c'est pas à lui de décider pour une des choses, là, la ceinture, c'est lui qui l'a, c'est correct, qu'il a battu un Derek Gauthier, que ça faisait 2 fois qu'il battait, que, tu sais, Derek Gauthier, c'est la même affaire, là, il a battu un gars qui était fini, après ça, là, il s'est rebattu avec, fait quand même 2 défaites pour avoir cette ceinture-là. Il s'est battu contre Caponi qui venait de perdre, il s'est battu, il a pas grand-chose à dire, je pense. C'est excellent, ça. T'as-tu de quoi, toi, encore? Ben, tu sais, juste pour les blessures, tu sais, le monde sont beaucoup critiques sur ça, les blessures, mais tu sais, ce qu'ils savent pas, c'est que, calvaire, tu t'en vas mettre potentiellement ta vie à danger dans une cage, puis tu sais, quand on a une blessure, que, tu sais, on n'est jamais à 100% dans un combat first, là, on est tout le temps blessé, mais c'est des blessures qu'on est capable de passer par-dessus mentalement. Mais quand t'as une blessure que t'es pas capable de passer par-dessus mentalement, ben, tu sais, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon choix de pas y aller. Tu sais, le combat, ça va durer la soirée, mais ta fiche va te suivre toute ta vie. Tu sais, c'est juste de montrer que t'es mature dans tes situations, des choses comme ça. Le monde sont très critiques, mais à quelque part, faut comprendre la personne qui s'en va mettre sa vie en danger dans la cage. Puis moi, je trouve que t'es mature de prendre le shot. C'est de caller une shot qui est extrêmement dur à caller, mais regarde, faut dire que quand t'as été capable de la caller, shot là, puis c'est bon aussi, là. J'étais 2 semaines avec le cœur dans le bout du doigt, là. J'aurais bien fait n'importe quoi. J'allais courir, le doigt voulait m'éclater. Je faisais n'importe quoi, tu sais. Pour une chose, je me suis fait ça 2 semaines de mon combat, en plus. Même le soir du combat, j'avais encore mal au doigt. J'avais encore la main qui fermait pas au complet. J'ai tout essayé. Tu sais, je trouve que ça avait aucun sens, pareil. Même j'aurais pogné le gars qui était 0,5, 0,10. On s'en fout. Ça reste une droite que tu manges d'un 4-11 d'en face. Ça reste, tu sais, c'est ma main droite que je me sers. Tout le monde, ils voient ça à TV, ils voient que c'est un show, là, tu donnes des coups de poing, tu donnes des coups de pied, mais c'est pas de même. Là, on est 2 mois s'entraîner comme des Mongols au gym, on fait tous les sacrifices, on fait. C'est ça, c'est le but que le monde n'y comprenne pas aussi. Ah, absolument, puis j'aimerais ça que le. Tu sais, que ça soit moins que, tu sais, ça arrive, là, c'est des bad luck, c'est pas, on joue pas au ping-pong, là, pendant de faire du badminton, ça joue sur, par semaine, là. Tu sais, ils disent qu'un. Une game de football, c'est équivalent à un accident d'auto, mais un gars comme toi qui fait du sparring à chaque semaine depuis l'âge de 18 ans, mais tu fais pratiquement un accident de char à toutes les fins de semaine, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'sais, t'as le doigt, là. ça baisse un peu, le jugement sur les choses comme ça, pour être honnête, là. L'affaire que le monde et tout, ils comprennent juste pas, c'est que, tu sais, toi, t'as une fiche en MMA, là, t'as une fiche professionnelle en MMA, donc t'es déjà rentré dans une cage pour te taper sa gueule avec d'autres gens.
pourquoi t'aurais peur d'aller dans la cage de... Tu sais, le monde sont là, ah, oh, généreux, il est pas là, c'est quoi, il a peur, blablabla. Il y a personne qui fait ce métier-là qui a peur, ils l'ont tout déjà fait, genre. Ah non, y a personne qui fait ce métier-là qui a pas peur. T'as peur, soit tu crois pas, c'est juste normal. Mais c'est pas une question de peur. De peur, mais... Ah ouais, c'est ça, mais c'est juste, c'est des risques calculés. Puis là, à un moment donné, mais le calcul, il y a trop de risques versus le bon calcul. C'est juste un, à un moment donné, ça m'est déjà arrivé aussi de pas l'être à cause d'une main droite. Tu sais, je suis un gamin, je peux pas mettre de main droite sur mon adversaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était Bobby Sullivan, ouais, en plus, genre. Bobby Sullivan, pas de main droite, tu fais pas ça. Fait que, t'sais, non, vous, j'essaie juste, moi, je veux prendre, t'sais, ton bord là-dedans, pis d'essayer de calmer un peu le monde sur une situation comme ça, que, t'sais, pis aussi, se faire juger par des gens qui font pas nécessairement qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie, c'est un peu difficile à prendre, fait que, t'sais, le monde qui te dit, je vois. Se faire juger par du monde qui le fait aussi, ça fait chier, parce que les autres, ils sont censés te comprendre, pis, mais c'est un sport de ça, hein, c'est un sport, on est tous des chums, mais, on est tous du monde qui s'aime, t'sais, qui s'aime pas trop, pis c'est un sport de même, c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça, hein. Je sais pas, prochain combat, mais quand voyez un tomber et qu'ils voient l'autre tomber, ils vont comprendre que je suis fait pour ça. Ah, mais là, effectivement, tu l'as prouvé fois et fois après que t'étais fait pour ça, là. C'est pas ton premier rodéo, là. Ouais, mais c'est ça, s'il y avait un doute sur la scène, si t'as moindrement checké des combats amateurs, tu le voyais, il se battait une place, se battait l'autre place la fin de semaine d'après. C'est bien étoué, fait que je trouve que le monde sont un peu mal placés de juger un gars comme toi. Mais bref. Surtout rendu là, t'sais, professionnel en plus, là, à l'argent qu'on perd, tu sais, je veux pas là, choquer un combat de même deux semaines avant, là. Moi, je reste à Drummondville, je vais m'entraîner à Wickham, je vais m'entraîner à Belleuil, je vais m'entraîner un peu partout, juste sur c'est un 20 gaz par jour. Je suis un mois à m'entraîner, c'est 400$ de gaz que je perds. Tu sais, je le perds pas, mais je veux dire, c'est 400$ de gaz que je mets dans mon char, les réparations, la bouffe qu'on mange, tu sais, c'est facile, ben, de manger une pizza à 2$, manger des tirs, hein, manger du poulet, brocoli, saumon, tout le temps de la bonne bouffe demain. Même là, ça coûte pas, c'est ça. Gros, y'a-tu de quoi qui coûte plus cher que les estis de légumes, genre? Gros, c'est dégueulasse, man! Des légumes, on en mange. C'est littéralement juste ça que vous mangez, fait que c'est stupide, man. Pis en plus, TKO paye super bien, mais ça reste que les payes que vous faites, man, c'est pas des payes de l'UFC. Ben. Pis encore là, dans l'UFC, y'a du monde qui vivent même pas de ça. Fait que... Paye bien quand tu te rends à la bourse. Ouais. Quand t'as 2-3 combats dans l'année qui te choquent, là, ça fait 2-3 combats que t'as mis de l'argent là-dedans pis ça t'en revient pas, là. Non, c'est ça. Absolument. C'est de la merde. Si je prenais assez d'argent, je serais pas assis ici aujourd'hui à travailler. Ça, c'est clair, man. Je trouve ça cool que tu travailles avec les élèves, pour vrai. Tu sais, c'est un autre côté, justement, qu'on peut connaître de toi. J'avais aucune idée que tu travaillais avec des gens de secondaire, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment cool, pis tu sais, t'en redonnes un peu, justement, à ta communauté chez vous, tout ça. Ouais. C'est vraiment cool. J'ai commencé l'année prochaine, je risque d'être encore plus suite avec l'été qui s'en vient, là. Je vais avoir le temps de m'entraîner en masse. On va voir, j'aime bien ça à date, fait qu'on va se souhaiter. Les jeunes doivent trouver ça cool aussi de pouvoir, justement, jaser qu'un gars qui est pas super plus vieux qu'eux, t'es dans un domaine assez particulier. Tu dois quand même avoir un bon respect des élèves, tu dois quand même t'écouter, ben ils doivent aussi, tu sais, faire comme. J'ai l'impression, je peux parler avec lui, c'est quelqu'un que je vais avoir plus relatable. Je sais pas exactement comment traduire ce mot-là. Avec mon expérience de vie aussi, tout ce que j'ai eu, je veux pas, moi j'ai perdu mes parents jeunes, j'ai eu des familles d'accueil en masse, j'ai fait tellement de... Tu sais, ma vie, ça a tout été des up and down, hein. Fait que là, avec les derniers temps, les combats, ça a réussi à me remettre sur le droit chemin, ma job, tout, tu sais, travailler avec des jeunes, je suis capable de parler avec eux autres, pis ça va, ils se sentent plus à l'aise aussi, là. Tu sais, je suis pas plus vieux, j'ai pas 40-50 ans, dire, ah, moi, dans ton temps, j'étais de même, là, mon temps, il voulait pas si longtemps que ça, là. Exactement, là. Fait que, ah non, c'est ça, c'est super relatable, moi, je trouve ça vraiment super pour vrai, là. Je trouve ça vraiment cool d'avoir appris ça ici, ce soir, là. Ouais, c'est hot, c'est clairement hot, mais tu dis ton temps, il est pas si vieux que leur temps, mais y a-tu des moments, des fois, que tu te retrouves dans des situations où tu te dis, aïe, comment ça se passe dans leur monde à eux? Parce que, tu sais, moi, juste pour, c'est sûr, ils sont plus jeunes que toi, probablement. Tu sais, je donne des cours de jiu à mon gym. Ils s'étaient là au groupe, pis les 7 à 13 ans, des fois, les affaires qui se passent, mais ils vivent dans un monde qui est autre du nôtre, là, de la manière qu'ils utilisent déjà, justement, les médias sociaux pis ces affaires-là, que, tu sais, nous, t'as pas la même âge que nous, toi, 26-27 ans, là? 27, ouais, 27. C'est ça, tu sais, nous autres, on est nés
on a vu les téléphones intelligents à Night, on n'est pas né dans les téléphones intelligents, tu sais. Fait que je sais pas si des fois, t'as des situations de même que tu te rends compte que peut-être le 10-12 ans que t'as de différence avec eux, il est quand même énorme. Ouais, tu sais, comme les secondes, je m'occupe des secondes erreurs à 5. Fait que c'est sûr que les 4-5, je me sens que, tu sais, des fois, on dirait quasiment que j'ai leur âge encore, là, tellement ouais. Que je me sens pas si, ben, je suis pas plus vieux qu'eux autres, hein, ben. Non, c'est ça. Mais les secondes erreurs 2-3, des fois, c'est sûr que c'est différent. Tu sais, il y en a, secondaire 3, que même là, tu sais, leur âge, tu vois, qu'ils ont vieilli, c'est secondaire 1. C'est différent. C'est juste pas pareil, mais non, je me sens pas si décalé avec eux autres. J'ai 4 petits frères aussi, hein, avec. Ouais, c'est sûr. J'étais habitué avec les jeunes, j'ai tout le temps niaisé avec des jeunes, j'ai tout le temps. Fait que je me sens pas si indifférent. Tu sais, les petites danses Fortnite, je joue à Fortnite, c'est mon PlayStation. Fait que j'y vois aller, je sais qu'est-ce qu'ils parlent. C'est toutes les niaiseries qu'ils disent souvent, c'est des vidéos qu'ils voient sur Facebook, que je vois tout sur Facebook. Fait que non, je me sens pas si. C'est pour ça que c'est ça qui est le fun. Hein. Est-ce qu'ils te forcent à écouter du Lil Pump? Non, je sais pas c'est quoi ça, par exemple. C'est correct, man. Ne découvre jamais ça, le gros. Là, c'est de la merde. Mais hey, merci, man, de nous avoir donné du temps. On va te laisser aller faire tes affaires, man. Ça a été vraiment agréable de te parler. Puis on a hâte de voir ça, man. Kev Généreux, Charles Jourdain, c'est un huge fight. Puis on te souhaite le meilleur cas de ta vie, man. On te souhaite d'arriver là dans la meilleure des shapes. Puis que tout marche comme tu veux que ça marche, man. Ah, ça va bien aller. Si il faut, je vais aller à un bras, c'est un coup de suite. On va C'est cool, mais merci Kevin, on se reparle. Merci. Ouais, bonne soirée, boys. Ciao. Bonne soirée. Boom, we are back in the places tonight. Merci, Kevin Généreux. C'était hot. Une belle discussion, quand même, pas loin d'une demi-heure avec Kevin. Merci. Krim qui était à la job, il nous donne du temps. Ouais, ouais, à la job avec des élèves, tout, on savait pas. Krim, plein de monde. Plein de monde du TKO. Ben, plein. En date, on est rendu à deux, mais ils travaillent avec des élèves, ils travaillent avec des jeunes. On va découvrir qui travaille encore plus avec des élèves, puis qui est genre professeur. Moi non plus, je m'attendais. Je savais que justement, à cause qu'on échangeait un peu sur Messenger, pour savoir quand est-ce qu'on pouvait planifier ça, tout. Je savais qu'il y avait un emploi. Je savais pas si c'était dans ce domaine-là, c'est ça la coche. Faut vraiment cool à apprendre. Fait que thank you, man, Kevin. Merci, Kevin. Merci, Kevin. Continue comme ça. C'est le même qu'on aime ça, Kevin. Puis, sinon, c'est ça, man. On va écouter UFC Liverpool en fin de semaine. Ça a redonné des news la semaine prochaine de ce combat-là, Till contre Wonderboy. Absolument. C'est intéressant de follow-up, je pense, parce que comme je l'ai dit tantôt, même si c'est pas le combat qui a le plus d'action, je pense que toutes les secondes de ce combat-là vont être excitantes. Ouais. Fait que. Ça fut l'épisode 19 dit par le casse, épisode 20 la semaine prochaine. Puis j'ai un dilemme par rapport à cet épisode-là que je vais parler avec Adam pendant que les caméras vont être coupées parce que si ça se passe comme ça se passe, ça sera peut-être une surprise. Des sacrés, des sacrés! Des sacrés! Ceci étant dit, ciao! Ouh! Ouh, ouh! Skirt, skirt! Ouh, ouh, ouh! Skirt, skirt! Skirt, Evelyn! Tabarnak! Tabarnak! Faire une mixtape de mumble rap. Ouais, mais faudrait tout se trouver une coupe de line qu'on rhyme sur le beat pour l'émission, merde là. On se crée une chanson, man. Entrance song. Entrance song. Tabarnak!